Salut Steven du bâtiment, oh salut les gens. Alors aujourd'hui un tuto spécial Noël, comment se fabriquer une tenue de Père Noël quand on n'a pas les moyens de s'acheter une tenue de Père Noël. Pour ça, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Je vais vous expliquer comment utiliser des affaires que vous pouvez avoir chez vous, qui traînent ou que vous n'utilisez quasiment jamais, pour vous fabriquer une tenue de Père Noël. Il faut savoir que les enfants, lorsqu'ils vont s'adresser au Père Noël, ils vont surtout le regarder dans les yeux ou alors vraiment le haut du corps. Ils vont rarement regarder le bas du corps. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas s'attarder sur ce qui est pantalon, chaussettes, tout ça, ils s'en fichent. Donc on va vraiment se concentrer sur le haut du corps. Donc pour commencer, je vous conseille de vous mettre un... Moi j'ai une veste parce que je suis un grand sportif, j'ai une veste rouge. Donc, si vous avez une veste rouge, un pull rouge, un t-shirt rouge, tout ça, ça marche. Bon, moi je suis équipé. J'ai une veste rouge de sportif. Bon, des fois elle ferme. Ah, ça y est. Là, déjà, on voit le personnage qui commence à prendre forme. Ensuite, le Père Noël, il a une ceinture. Si vous n'avez pas de ceinture, il suffit simplement de vous venir d'un scotch noir. Vous faites comme ceci. Voilà. Comme ça. Nickel. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément le Père Noël, il a son bonnet. Donc en Bretagne, je ne m'inquiète pas, les Bretons en général, ils ont leur bonnet rouge qui peut très bien faire l'affaire. Moi, je suis encore plus équipé, j'ai le vrai chapeau du Père Noël. Comme ça, là, il fait même du bruit. Ça, c'est grand luxe. Ensuite, forcément, là, on commence déjà à bien prendre forme. Qu'est-ce qui manque? La barbe. Pour la barbe, rien de plus simple, je vous conseille simplement de prendre du coton dans lequel vous allez faire un trou. Moi, j'ai déjà fait pour une éditeur pour la vidéo. Vous faites un trou pour la bouche. Forcément, comme ça, elle ne va pas tenir toute seule. Donc, soit vous pouvez mettre un élastique discret, soit... Où est-ce que je l'ai mis? Là. Comme moi, je vais enlever le coton, on m'entendra mieux. Vous prenez une ficelle pas trop épaisse, assez discrète. Vous faites un nœud coulant dedans, comme quand on pendait les rois à l'époque. Non, on ne les pendait pas, en plus on les décapitait. Donc, vous faites un nœud coulant. Vous prenez votre moustache, enfin votre barbe, vous faites passer discrètement votre ficelle comme ceci, et vous tendez comme ça là. Comme ça là, c'est vachement discret, c'est nickel, c'est propre. Et là, on a quasiment... Ah, je perds mon bonnet. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui manque? Il manque, regardez bien, les gants. Donc vous pouvez prendre des gants rouges, moi je prends des gants noirs, parce que je préfère le noir. Non, je déconne, c'est parce que j'ai pas de rouge. Voilà, comme ceci. Là, ce sont des gants pour se promener, faire du vélo. Vous pouvez prendre des gants de moto, vous pouvez prendre des gants de ski. Vous prenez comme vous voulez. Et là, vous avez un magnifique Père Noël pour... Ah, mon bonnet. Pour la maudite somme... Ah, mon bonnet, eh, ça sert à rien. Pour la maudite somme de... Je sais pas, 20 balles. Pourquoi 20 balles, j'en sais rien. C'est un chiffre qui me vient en tête. Donc là, comme je vous disais, pour 20 balles, vous avez un magnifique Père Noël qui va tromper tous les enfants. Donc voilà les gens. Si vous aussi, vous voulez ressembler au Père Noël pour pas trop cher, avec les moyens du bord, je vous conseille de suivre mon astuce et je vous dis joyeux Noël !